Selon les règles fixées par le marquis de Queensbury, le combat de boxe est une rencontre lors de laquelle les participants s'échangent des coups avec correction de manière à rester debout. Les fondements de ce sport existent toujours. Rester debout, ne pas aller au tapis, ne pas fuir, rester sur le ring contre le monde entier. Voilà l'esprit de la boxe. Chaque boxeur naît avec un certain nombre de matchs à disputer. Quand il les a tous disputés, il est fini. Il pourra toujours tenter de combattre, de remonter sur le ring. Il sera vaincu. C'est son destin. Jack Dempsey, George Carpentier, Gene Tunney, Max Schmeling, Primo Carnera, Max Baer, Joe Louis, Rocky Marciano, Floyd Patterson, Sonny Liston, Cassius Clay, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson. Sport vieux comme le monde, primitif et complexe à la fois, la boxe a toujours compté des protagonistes extraordinairement divers. Frustes ou artistes, gars qui ont fait de la prison ou du cabaret, presque toujours des génies et des aventuriers fous et audacieux. Souvent issus de familles pauvres, ils ont connu la richesse pour retomber généralement dans la misère. Blancs ou noirs, ils ont fasciné les belles femmes et les écrivains les plus célèbres. Leur talent est allé parfois au-delà des poings. Certains sont devenus peintres, chanteurs, danseurs ou acteurs. D'autres écrivains, politiciens ou industriels. Leurs histoires ne sont jamais banales et elles sont éternelles. Poids lourd, champion du monde, Dieu vivant. Le champion devient l'emblème de tout un peuple et sa vie faite d'ombre et de lumière reflète son époque. Cet homme, c'est Jesse Willard, dernier champion du monde avant la Grande Guerre. Il se rend à Toledo, dans l'Ohio, où pour 100 000 dollars, il s'apprête à affronter la nouvelle terreur du ring, Jack Dempsey, surnommé le Tigre de Manassa. Juillet 1919, Toledo. Jess Willard se présente sur le ring paradant devant un public en délire qui le connaît bien pour l'avoir vu aussi au cinéma quand il était acteur. Tout sépare les deux hommes. Jack Dempsey est un ancien mineur devenu boxeur. Jess a pour lui son physique imposant face au petit Jack Dempsey. Mais la réputation de celui-ci est terrible. Déjà au premier round et pour la première fois en 8 ans de carrière, Jess Willard va au tapis. Dempsey le harcèle de ses attaques, et au début du quatrième round, le vieux champion du monde doit abandonner devant la nouvelle star du ring. Jack Dempsey n'est certes pas le premier grand champion de boxe. Avant lui, il y a eu James Corbett, Bob Fitzsimmons, James Jeffries et le formidable Jack Johnson. Mais grâce à cet exploit, il devient incontestablement le numéro un de son temps. Dempsey a pulvérisé la carrière de Jess Willard le jour de la célébration de l'indépendance américaine et une semaine après la signature du traité de Versailles qui marque le début d'une nouvelle ère. C'est le début des années folles. Les Alliés ont remporté la guerre. Aujourd'hui, sur fond de nouveaux miracles économiques républicains et de menaces d'un nouveau conflit, l'Américain Jack Dempsey, le Tigre de Manassa,
va s'opposer au Français Georges Carpentier, boxeur brillant à la longue carrière, célèbre dans toute l'Europe et parfait représentant du vieux continent. La boxe connaît son premier grand combat du siècle grâce à Tex Richard, un aventurier texan sans scrupules qui attire dans les arènes de Jersey City plus de 80 000 spectateurs. En France, on parle d'une nouvelle bataille de la Marne. Georges Carpentier, mi-lourd, inférieur en poids comme taille à son adversaire, se lance courageusement dans le combat contre l'allié d'hier, devenu le monstre d'aujourd'hui, Dempsey. Entend les rêves secrets de tant de femmes, il commence sa carrière comme poids mouche et la termine comme poids lourd. Un héros de la guerre, un vrai champion que l'on surnomme l'homme à l'orchidée. Alors que la veille du match, la France s'impatiente, l'Amérique espère que la technique et la grande expérience de Jack Dempsey, le tigre, prévaudront sur l'insidieuse rapidité du Français. Pour la première fois, la radio transmettra un match en direct grâce à du matériel prêté par la marine militaire. 2 juillet 1921, Jersey City. Les spectateurs attendent l'arrivée des deux boxeurs. C'est leur première rencontre. Deux avions sont prêts à survoler la ville et à lancer une fusée rouge si Carpentier est vainqueur, une blanche si c'est Dempsey. Devant tant de spectateurs, Tex Richard et Doc Kearns, les entraîneurs du champion américain, ne veulent tuer la poule aux œufs d'or et demandent à Jack Dempsey d'épargner le petit Français, histoire de faire durer le spectacle. La transmission transatlantique est une première. Place de la Concorde, 200 000 personnes attendent le résultat que les commentateurs vont annoncer à la France. Carpentier est sans aucun doute le favori de la foule, mais malgré tout, l'Amérique soutient Dempsey. Dempsey harcèle son adversaire, le serre, se jette sur lui avec bravade. Les gens aiment son style. De l'action, rien que de l'action. Le Français, lui, fidèle à sa tactique, use magistralement de son crochet. Il tourne autour de son rival et prépare son terrible droit, sa meilleure arme. Mais dès le premier round, il est déjà désavantagé. Deuxième round. Nettement plus léger que Dempsey, son adversaire lui administre une série de coups qui auraient pu tout changer. Le champion admettra un peu plus tard « J'étais KO debout, personne ne s'en est aperçu. Si Carpentier m'avait poussé, je serais tombé. Faudra que je lui dise avant qu'il meure. » Le Français ne remet pas ça parce qu'il sent un craquement dans sa main droite. Il s'est cassé quelque chose. Dempsey devine que la fin de Carpentier est proche. Au quatrième round, il le coince contre les cordes et le met KO. Mais entre les deux hommes naît une amitié qui durera jusqu'à la mort. Après avoir vaincu Carpentier et disputé deux autres championnats du monde, Dempsey fait des études de cinéma et fréquente les milieux de Broadway, où il encaisse quelques cuisants échecs. Le champion ne combat pas pendant 3 ans, gardant son titre dans un coffre-fort. Il ne se fait pas moins de publicité dans la presse, au cours de voyages ou de rencontres mondaines. Il divorce et a une liaison avec Estelle Taylor, une star du muet, au contact de laquelle il se ramollit un peu trop au goût de son entraîneur avec qui il se brouille. Celui-ci l'accuse de s'entraîner uniquement pour éloigner les admirateurs de la dame. Jane Tunney fait remonter Dempsey sur le ring. Malgré ses origines new-yorkaises, il aime la nature où il va se relaxer. «
Boxeur raffiné de la catégorie des mi-lourds, Gene Tenney est un ancien séminariste reconverti dans les marines. Son visage d'une pâleur maladive ne l'empêche pas de briguer le titre suprême. Voici le rival qui se prépare à affronter un Jack Dempsey qui s'est assoupi dans la vie conjugale avec Estelle. C'est le premier boxeur à utiliser une méthode d'entraînement vraiment scientifique et à étudier les films des rencontres de ses adversaires. Le 23 septembre 1926, dans le stade de Philadelphie, sous une pluie qui rend le tapis glissant, Tenney se trouve finalement devant l'ombre d'un champion distrait et sans tonus que les bookmakers donnent favori à 11 contre 5. Les billets à $25 sont revendus à 500. Les acheteurs sont plus de 120 000. Une affaire juteuse. Sauf que tout au long des 10 rounds, l'impétuosité de Dempsey se voit annihilée par la bravoure de Tenney, qui joue d'un jab gauche fulgurant et d'un droit puissant. On assiste à un face-à-face entre deux manières d'appréhender la boxe. L'Amérique a un nouveau champion poids lourd, mais elle n'arrive pas à l'aimer. Pire, le vainqueur est haï, tandis que le perdant reste dans son cœur. À part à New York, sa ville natale, où il est acclamé, il est tenu pour coupable d'avoir détruit une idole. Considéré comme snob parce qu'il affiche des prétentions intellectuelles et cultive des amitiés avec des écrivains, il irrite la majorité des gens qui le trouvent antipathique. Tenney représente l'homme moderne par excellence. Mais l'aviateur Charles Lindbergh, qui réussit pour la première fois la traversée de l'Atlantique le 20 mai 1927, lui vole la popularité. Sur les deux continents, les foules sont en délire. Les Américains l'acclament comme un dieu, tel qu'ils l'ont fait avec Dempsey, dont les vertus combattantes font écho à l'esprit patriotique. Le 22 septembre 1927, Chicago. Ce jour-là, Gene Tenney, indigné par le traitement qu'on lui a réservé, se promet de montrer de quoi il est capable aux 100 000 spectateurs qui l'ont accueilli par un concert de sifflements. Septième round, Dempsey Tenney. Au septième round, Dempsey se jette sur Tenney comme une furie et le précipite au tapis, le frappant au visage d'une série de coups terribles. Impétueux et rageur, il refuse de retourner dans le coin du ring comme le veut la nouvelle réglementation, contraignant l'arbitre à retarder le compte de 5 secondes. Tenney en profite intelligemment, écoutant le compte, il ne se relève qu'au dernier moment, gagnant ainsi 5 secondes qui peuvent faire la différence. Encore une fois, la clairvoyance a le dessus sur la force brute. Après s'être relevé, Tenney se contente d'éviter les charges effrénées de Dempsey qui le poursuit sur le ring. Huitième round. Voilà que c'est Tenney qui, au huitième round, inflige un premier KO au grand Dempsey. La force et l'intelligence. Voici les deux faces d'une Amérique triomphante et désormais sans complexe devant la vieille Europe. C'est la fin des années 1920. Une décennie ravagée par la crise se termine. Dès lors, ce ne sont plus les États-Unis qui vont vers l'Europe, mais l'Europe qui va à eux. Tenney se retire invaincu en 1928. Il s'embarque pour l'Europe afin de se reposer dans une riche demeure de Greenwich avant de retourner aux États-Unis et de profiter de sa fortune. Jack Dempsey devient organisateur de rencontres. Max Schmeling, avec ses cheveux noirs et ses sourcils épais, est surnommé le Hulan Noir. La
L'Allemagne nazie en fait le héros de la race aryenne, le brandissant à la face des États-Unis et du monde entier. Il pourrait devenir le poing d'Hitler, mais sa femme est née en Tchécoslovaquie et quand on lui intime de se défaire de son entraîneur parce que celui-ci est juif, il y oppose un refus catégorique faisant remonter l'affaire jusqu'au Führer. C'est un champion aimé et respecté, le premier Européen du siècle à avoir remporté la ceinture mondiale poids lourd. Premier Allemand champion du monde. Max Schmeling, avant de disputer le titre suprême, doit franchir un obstacle, Max Baer. Max Baer pourrait devenir un grand champion s'il ne fréquentait trop les belles filles et les milieux du cinéma. Lors de ses distractions, il gaspille une énergie folle qui lui manque lorsqu'il doit combattre. Et il lui arrive souvent de monter sur le ring mal entraîné. Né dans une famille juive, Baer, qui combat toujours avec un short où est cousue l'étoile de David, refusera de se plier aux lois anti-juives édictées en 1934 par le Nouveau Reich. Tout comme Schmeling, Max Baer passe à côté d'une grande carrière. 8 juin 1933, New York. Schmeling Baer. Un coup non régulier administré à Schmeling lui barre provisoirement la route vers le titre. Mais un nouveau prétendant se présente déjà. Primo Carnera, l'homme de Mussolini. L'homme aux pieds longs comme des violons, comme l'appellent les journalistes. En dépit de son surnom, quelque peu fantaisiste, Carnera est assimilé à un Hercule. Il devient le symbole de la puissance. Il est le plus lourd boxeur qui ait jamais remporté le championnat du monde des poids lourds, le bon colosse, mais au pied d'argile, le mastodonte. Mais il est pris dans les filets d'une grosse affaire d'intérêt, de profit, de magouille, de cupidité et de popularité. Quand il remporte le titre de champion du monde, Mussolini lui envoie un télégraphe à New York. Tu es le plus pur représentant de la race italienne, solide, forte et généreuse. Le 22 octobre 1933, le Duce est présent lors de la grand-messe organisée avant le combat de Carnera contre le basque Paulino Uscudum, avec pour enjeu son titre. Sûr de lui, Carnera, revêtu de la chemise noire, monte sur le ring. Le grotesque de l'esthétique mussolinienne ajoute au pathétisme du boxeur. Aux États-Unis, Alpe en marche, comme on le surnomme, est manipulé par des impresarios sans scrupules. Il devient bientôt une attraction de foire. Avec Carnera, la boxe se transforme en cirque et cet animal qui saute à la corde corrobore une fois de plus l'éternelle image de l'Italie, spaghetti et mandoline. C'est justement cette image, celle que les Américains ont des Italiens, que Mussolini, admirateur des États-Unis, veut changer. Encore une fois, c'est Max Baer qui s'oppose sur le ring aux représentants d'une dictature. 14 juin 1934, New York. Entre les deux boxeurs, il y a 25 kilos de différence. Mais Carnera va au tapis au premier droit de Baer. Il tombe mal et se foule une cheville. Le reste du combat tourne au supplice.
La rencontre entre Baer et Carnera se transforme en un film comique qui est projeté en accéléré dans les salles de cinéma américaines. Une triste comédie que le régime fasciste cherchera de camoufler. Max Baer n'économise ni l'ironie ni les coups, mais l'Italien accuse avec un immense courage. Il tombera 10 fois avant que le combat ne soit interrompu au 11e round. Le titre en poche, Baer épouse une assistante sociale, comme il aime appeler la belle jeune femme qui est toujours à ses côtés. À peine un an plus tard, privilégiant toujours davantage le divertissement à l'entraînement, Baer est vaincu par un bleu du ring, James Braddock, que les bookmakers donnaient perdant à 10 contre 1. Une nouvelle étoile de la boxe est née et elle fera pâlir toutes les autres. Après Braddock, Baer est jeté en pâture à Joe Louis. Nous sommes au milieu des années 1930, l'époque des grands travaux, celle de Roosevelt, de la production tous azimuts, des lois sociales et des syndicats qui commencent leur lutte pour les droits des travailleurs et contre la corruption. Celle de Chicago et d'Al Capone. Mais c'est aussi l'âge d'or de la boxe et de ses folies collectives, l'époque où chaque grand boxeur est un champion au sein de cette grande famille. La défaite de Max Baer est le cadeau de mariage qu'offre Joe Louis à sa première femme, la belle Marla Trotter. À cette époque, Joe Louis n'est pas seulement le représentant des Noirs américains, mais aussi celui de l'Amérique et de la démocratie, de la plutocratie, comme l'appelle Hitler, qui entend faire de Schmeling le digne représentant de la race aryenne. Joe Louis, sûr de sa victoire, dédaigne son adversaire. Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, le fait venir à la Maison-Blanche en 1938. Il souhaite le rencontrer personnellement. Il admire le physique de ce splendide athlète, du premier noir devenu champion des poids lourds depuis l'époque de Jack Johnson. Il touche ses muscles bien fermes et lui dit « Mon cher Louis, c'est de ce type de muscles que nous aurons besoin pour battre l'Allemagne. » Joe Louis saisit ce que veut dire le président et quelques mois plus tard lui donne satisfaction. Mais pour comprendre, il faut revenir 2 ans en arrière. Le 19 juin 1936, l'homme que tous surnomment déjà le bombardier noir se fait massacrer sur un ring de New York par le droit de Max Schmeling de 9 ans son aîné. Cette nuit-là est un calvaire pour Joe Louis, qui derrière sa bonne bouille est un orgueilleux boxeur. Durement frappé dès le 2e round, il prend une raclée qu'il ne réussira jamais à oublier. Les spectateurs l'implorent de capituler. Il ne le fera qu'au 12e round. Ce sera le premier de ses 2 seuls KO. L'autre lui sera infligé par Rocky Marciano lors du dernier match de sa carrière. Le succès du champion représentant de la race aryenne déchaîne fanatisme et manipulation en Allemagne. À son arrivée à Francfort à bord du dirigeable Hindenburg, Max est accueilli par des pontes du régime nazi. Quelques jours après, il est reçu par Hitler en compagnie de sa femme, la Tchécoslovaque Annie Ondra. Cette victoire n'a plus grand-chose à voir avec le sport. Le désir de revanche déchaîne la classe politique. Le match se transforme en un défi entre la démocratie américaine et la dictature allemande.
Schmeling, qui a du mal à faire le salut hitlérien, n'est pas le nazi que les journalistes aimeraient décrire. Il est à l'opposé de Carnera, fasciste convaincu. Mais l'univers de la boxe, avec son côté archaïque et ses vertus, se fond dans le climat de l'époque. Berlin 1936, Jeux olympiques. L'Allemagne remporte 33 médailles d'or, les États-Unis 24. Face à une telle pression populaire, Schmeling ne peut qu'accepter la rencontre avec Lewis. C'est le titre mondial qui est en jeu. Juin 1938, New York. Schmeling Lewis. Joe Louis, boxeur de grand talent, regarde toujours son adversaire comme un félin avant de l'attaquer, de se jeter brusquement sur lui et de briser sa défense d'un coup de patte décisive. Schmeling s'écroule à ses pieds. Il est terrorisé. Tandis que Joe Louis semble voler sur le ring, Max Schmeling se dirige vers un autre destin. Un destin tracé par la logique infernale de l'Allemagne nazie. La fin de Schmeling est aussi la fin d'une époque, celle des grands poids lourds européens. Joe Louis, le bombardier noir, au faîte de sa gloire, continuera à régner sur les rings d'Amérique où il défendra son titre plus de 20 fois en moins de 4 ans. Après lui, aucun boxeur n'affichera un tel palmarès. Le président Roosevelt décide l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés et comme toujours, lorsqu'elle s'engage, l'Amérique ne néglige aucun détail. Chacun à sa façon et selon son tempérament, tous les grands boxeurs participent à cette mission sacrée. Joe Louis, timide et un peu gauche mais très généreux, fait cadeau de l'intégralité des gains de ses deux derniers championnats à l'armée américaine. Max Baer offre la totalité du chèque qu'il touche pour son contrat en cours. Tunney part pour le Pacifique et Dempsey, malgré les on-dit, continue à se montrer particulièrement disponible avec ses compagnons. En 1944, en France, la réalité est plus triste. On s'apprête à fêter le 50e anniversaire du Grand Carpentier, véritable héros de la Grande Guerre à l'ombre de la République de Vichy. Comme il semble loin le temps où le français Carpentier et l'américain Dempsey s'affrontaient sportivement sur le ring de Jersey City.
Maintenant, ce sont les civils français qui transforment la rue en ring et, avec la complaisance de la Wehrmacht, se vengent sur les prisonniers alliés accusés de les avoir bombardés. Heureusement, la victoire est proche. À la victoire, c'est la joie, la fête. Cependant, grâce à la guerre, Joe Louis a sans aucun doute vécu sa plus belle année. Le 25 juin 1948, le bombardier noir, toujours champion du monde, mais déjà sur le déclin, affronte Joe Walcott, le chorégraphe du ring. Comme d'habitude, le boxeur attire vedettes et personnalités. Il y a l'acteur Bob Hope, le célèbre comique d'avant-guerre. Hoover, le chef du FBI. Adolf Monjou, vieil acteur qui a joué dans les films de Charlie Chaplin. 25 juin 1948, New York. Deuxième round, Walcott-Lewis. Walcott mène le jeu au point. Il continue à utiliser le ring comme une piste de danse. Le grand Joe a encore du souffle, mais il ne parvient plus à donner le meilleur de lui-même et semble vulnérable. Joe Louis serait devenu un homme riche si de mauvaises affaires et la voracité du fisc américain ne l'avaient ruiné et par là même brisé sa vie. Les impôts lui réclament des millions de dollars. Louis aurait dû vivre encore 100 ans pour pouvoir payer. Il essaie de réunir un peu d'argent en livrant quelques combats. Puis c'est la rencontre avec une star montante, Rocky Marciano. De la culture des immigrants, il a gardé la peur, la faim, la méfiance, la superstition, l'amour pour la famille, le sens du religieux. 26 octobre 1951, New York. Marciano Louis. Sur le ring, il fait du mal à Joe Louis, sa grande idole. Au huitième round, l'arbitre n'a pas le courage de compter. Il déclare Joe KO. Cette nuit-là, il se retrouve sur une table du vestiaire de Madison Square Garden, avec un peu partout sur le corps les traces de l'entreprise destructrice de Marciano. Le KO dramatique de Joe Louis marque la fin d'une génération de boxeurs. Le nouveau champion du monde, Ezard Charles, surnommé le Cobra de Cincinnati, et Joe Walcott se disputent le titre 4 fois. Walcott est, à 37 ans, le plus vieux champion du monde des poids lourds. La voie royale s'ouvre devant Marciano. Il pèse 85 kg pour seulement 1,80 m. Grâce aux durs entraînements que sa carrière lui impose, le petit démolisseur du Massachusetts est un poids plume avec des bras de forgeron. Le 23 septembre 1952 à Philadelphie, Joe Walcott se fait détrôner par Marciano. Pourtant, Rocky touche le tapis pour la première fois. Et puis autre chose le gêne. Sa vue se brouille pendant plusieurs rounds.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Walcott a enduit ses gants d'une substance quelconque? Rocky est en mauvaise posture. Ou tu le fous au tapis ou c'est foutu, lui disent ses entraîneurs. Au 13e round, son célèbre court crochet gauche suivi d'un direct du droit assomme Walcott. La vie de Rocky Marciano sera brève mais intense. Elle sera faite de pauvreté, de désir et du sort qui fait l'histoire de chaque immigrant. Le père, Pierino Marchegiano, est invalide de guerre. La mère donne naissance à 6 enfants, dont l'aîné est Rocco. À 2 ans, il risque de mourir d'une bronchopneumonie. Sa mère, Pasqualina, a recours à une guérisseuse de 90 ans qui réussit à maintenir en vie le petit grâce à un bouillon aux vertus miraculeuses. En grandissant, il reprend du poil de la bête. C'est un solide gars, avec un col de taureau et la force d'un haltérophile. Toute sa vie, Rocky Marciano reste fidèle à son rêve de gosse, qui deviendra réalité. Il y met toutes ses forces, au point qu'on le surnomme le démolisseur de Brooklyn. Il se jette sur ses adversaires comme un taureau déchaîné. Les Américains l'adulent et accourent en masse à tous ses matchs. Ils assistent à ses longs entraînements, médusés par son immense énergie. Il démolit ses adversaires, les uns après les autres, à commencer par Ezzard Charles, ex-champion du monde, qui après leur rencontre déclarera « J'ai l'impression qu'un tracteur m'est passé dessus ». Le 7 juin 1954, New York, Charles Marciano. Le 16 mai 1955, San Francisco, Don Cockle Marciano. Le 21 septembre 1954, New York, Moore Marciano. Entre la prodigalité de Joe Louis et la luminosité de DMC, Marciano est le visage du bonheur. Il symbolise le côté positif du début des années 1960. Marciano est l'idole des enfants du baby boom. Il est le symbole de ces années d'optimisme par excellence. En bref, Marciano incarne le rêve américain. Maintenant, il pourra prier seulement pour lui, racontera sa femme quand Rocky abandonnera le ring. Parce que peu de gens savent que mon mari a prié aussi pour ses adversaires, surtout ceux à qui il avait fait du mal. Thank you.
Il apprend à donner des coups de poing pour pouvoir récupérer son vélo qu'on lui a volé. Mohamed a 12 ans. Il s'appelle alors Cassius Clay. Il demande de l'aide à un officier de police qui enseigne la boxe pendant ses loisirs. « Je veux foutre une trempe à un gars qui m'a piqué mon vélo », lui explique le gamin. « Viens au gymnase, je vais t'apprendre la boxe, tu cogneras mieux », lui répond l'homme. Clay n'a que 18 ans quand il signe son premier contrat professionnel avec un groupe d'organisateurs local. La légende des Noirs américains commence. Dans les gymnases s'entraînent ceux qui deviendront les protagonistes de ce noble sport et les plus prometteurs sont des Noirs. En 1962, Sonny Liston réussit un coup mémorable pour la troisième fois dans toute l'histoire de la boxe. Il met Patterson hors combat seulement après 2 minutes et 6 secondes. Les deux premiers étaient dus à Tommy Burns et Joe Louis. Au stade de Wembley, devant 50 000 spectateurs, Henry Cooper, l'idole des Anglais, ne fait pas long feu. Il se rend au troisième round, mitraillé par les coups terribles de Cassius Clay. Tout se joue désormais autour d'un seul homme qui dominera toute l'histoire de la boxe. Un vrai seigneur du ring. Cet homme, c'est Cassius Clay. Le jour du mondial, attendu depuis 15 mois, arrive. Le champion est Sonny Liston, ex-détenu aux mains de la mafia des rings américains, un type peu recommandable, que ce soit sur le ring ou non. Mais Clay est déjà entré dans son personnage de troublion. Il se lance dans un battage provocateur. Il loue un quart et poursuit Liston partout où il va. Il l'aguiche, le raille, l'insulte. Allez, sale face d'ours, sors de ta tanière. Allez, viens te battre. Mais ça ne rigole plus quand il se rencontre à Las Vegas et que l'autre sort un pistolet. Il tire. L'arme était chargée à blanc. Il se rencontre finalement sur le ring, le 25 février 1964, à Miami. Liston est donné favori à 10 contre 1 par les bookmakers. Le match dure 18 minutes. Clay sautille sans frapper. Il vole comme un papillon et pique comme une abeille. Ce jour-là, Clay offre au monde entier une admirable leçon de boxe. Au quatrième round, quelque chose lui irrite les yeux, l'empêchant de voir. Une substance dont les gants de Liston sont enduits. Clay veut abandonner. Angelo Dundee, son entraîneur, l'exhorte à continuer. À la sonnerie qui annonce la 7e reprise, Sonny Liston ne se lève pas. Il a l'épaule mystérieusement bloquée. Cela anticipe les prévisions de Clay d'un round. Liston a gardé son titre seulement 7 mois. Cassius Clay lui a fait sa fête. Il devient le 23e champion des poids lourds de l'histoire, s'apprêtant à ouvrir une autre histoire où il annonce au monde qu'il refuse son nom issu de l'esclavage. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Mohamed Ali. La fréquentation de Malcolm X et des musulmans noirs le font se tourner vers la religion musulmane. Dès lors, Ali combat et gagne pour Dieu. Échappé de la cage des Blancs,
il s'est peut-être fait prendre dans un autre filet. En 61 matchs, il ramasse bien plus du million de dollars qu'il avait espéré. Ses émoluments frôlent les 50 millions, dont deux tiers partiront en charges et en impôts. Le 21 février 1965, Malcolm X est assassiné en plein Harlem pendant un meeting. Pendant des années, il a été le représentant des musulmans noirs et a dénoncé haut et fort le racisme des blancs envers les noirs américains, prônant l'usage de la violence pour se défendre. L'histoire de la boxe a ses zones d'ombre. C'est le cas du deuxième match contre Liston qui dure 1 minute et 42 secondes. L'ours tombe à terre alors qu'il n'a pas été touché. « Debout, viens combattre !» Les imprécations d'Ali n'y font rien. Liston reste à terre. 5 ans après, il sera retrouvé mystérieusement mort. Dans les rues de Los Angeles, la violence se déchaîne contre les Noirs. C'est l'époque de la guerre du Vietnam. Je n'ai rien contre le Vietnam. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de sale nègre. Nous, les musulmans, nous ne portons pas les armes et nous refusons de faire la guerre, répond Ali lorsqu'on veut l'enrôler. Il risque 5 ans de prison. Il s'en sortira avec 43 mois d'interdiction de monter sur un ring et 5 000 $ de caution en échange de sa liberté. Sa prise de position le suivra toute sa vie. Nous sommes en 1967, Ali a 25 ans. Le monde de la boxe continue à tourner. À Mexico, Carlos Cesnis poursuit le rêve de monter sur le podium olympique, se soumettant à un entraînement draconien. George Foreman, médaille d'or, monte sur le ring en brandissant le drapeau américain pour montrer au public son esprit nationaliste. Pendant ce temps, Ali réussit là où nombre d'intellectuels de gauche, bien pensants, ont failli. Il va à la rencontre de la jeunesse blanche qui conteste la guerre du Vietnam et de la population noire, les unissant dans un seul et même mouvement de protestation. À la fin des années 60, c'est le début de la période d'exaltation pour la musique. La vague de contestation noire est peu à peu oubliée. Alors que les champions blancs américains de ce siècle, Rocky Marciano, Dempsey, Tenney, certes un peu vieillis mais encore en forme, sont tous présents à l'inauguration du nouveau Madison Square Garden, le temple de la boxe new-yorkaise qui résonne de la musique de Johann Strauss, non loin de là, dans un petit théâtre de Broadway, une autre voix s'élève. C'est celle d'un homme amer, privé de son travail et contraint de trouver de l'argent comme il peut pour subvenir aux besoins de sa famille et payer ses avocats. Sign of love released.
so-called coons, and we'll fill the street with dancing feet beneath big black balloons. Finalement, la Cour suprême des États-Unis rend un verdict en faveur de Muhammad Ali. Avant son interdiction de boxer, il a défendu son titre 7 fois. Mais à son retour, lors des premières rencontres, il ne donne pas le meilleur de lui-même. Une époque est en train de se terminer. Rocky Marciano meurt dans un accident d'avion. On retrouve le cadavre de Sonny Liston qui emporte avec lui le secret de sa mort, car on ne saura jamais s'il a été assassiné ou non. Le match Frazier-Muhammad Ali est fixé au 18 mars 1971 à New York, à Madison Square Garden. Ali proclame qu'il est venu reconquérir son titre et comme d'habitude, il met en œuvre sa stratégie psychologique. Pourtant boxeur de grande expérience, il sait parfaitement qu'il n'est pas encore en condition. Il n'ignore pas la puissance de Frazier et le sait obtus. Trop peu intelligent, vulgaire et sans jugeote. Frazier échappe à sa stratégie psychologique. En réalité, Muhammad Ali compte sur un résultat immédiat parce qu'autrement, n'ayant pas récupéré tous ses moyens, il sait qu'il va perdre. Profitant de sa taille et d'un direct plus puissant, Ali ne cesse de frapper avec son direct gauche un Joe Frazier qui avance sans se soucier des coups. Frazier réussit à mettre KO Muhammad Ali. C'est le moment décisif de la rencontre. En principe, un boxeur n'est pas déclaré battu parce qu'il va à terre une fois. Mais voir Ali au tapis fait une telle impression que Frazier est considéré comme vainqueur, même si c'est de justesse, à la fin du 15e round. En fait, les deux adversaires quittent tous deux le ring direction l'hôpital. Frazier commence son grand show. Quelques jours plus tard, il est entouré de ses invités, l'éternel Jack Dempsey, à qui il dédie sa victoire, et les artistes Duke Ellington et Count Basie, les grands musiciens noirs descendants d'esclaves, réunis dans un orchestre en compagnie duquel le boxeur espère poursuivre son chemin vers une autre victoire par KO. Au front de lui, Frazier craint Ali et choisit de rencontrer George Foreman. Le combat a lieu le 22 janvier 1973 à Kingston, capitale de la Jamaïque. Ali prend son téléphone et avertit Frazier qu'il va se faire massacrer par un tocard qui cogne comme une brute. Venant d'Ali, l'avertissement lui fait peur. Une fois sur le ring, Frazier ne fait pas le fanfaron comme d'habitude et comme l'avait prédit Ali, il se prend une raclée mémorable. Foreman est une véritable tornade. Il le balance 6 fois au tapis en l'espace de 2 reprises et lui arrache le titre. Clay récupère son titre contre George Foreman dans la nuit africaine de Kinshasa lors d'un combat organisé par le promoteur Don King et Mobutu le 30 octobre 1974. Lors du grand show préparé pour les médias, des milliers de supporters l'acclament alors qu'il apparaît dans le stade tel un mirage. Personne ne sait comment il a réussi à attirer Foreman dans un lieu où le public est totalement en sa faveur. Quand Ali monte sur le ring en dansant, sûr de lui et méprisant, la foule chante « Ali Bomaye, Ali tue-le !» Thank you.
is supposed to be my destruction. Foreman, le grand noir qui plaît aux blancs, le boxeur au poing qui cogne comme des marteaux, est ridiculisé, anesthésié, hypnotisé. Il s'écroule KO à la 8e reprise. Après Kinshasa, Clay rencontre Joe Frazier une autre fois. Le match est dramatique. Frazier, épuisé, ne réagit pas à la cloche qui annonce le 12e round. Ali affiche 22 victoires sur 25 combats pour le titre mondial. Touché par une grave maladie, Ali commence à voyager à travers le monde en parlant de Dieu, de la boxe, de la paix. Il demande à Dieu de l'aider à améliorer la vie de ceux qui souffrent. Peu importe qu'il ait oublié de le demander pour lui. Mike Tyson a toujours été un type difficile. Il a donné et pris des coups de poing comme peu de boxeurs. Allant sans cesse au-devant des ennuis, il a une obsession pour les femmes. Il gâchera sa vie et passera à côté de la fortune. À 14 ans, il claque la porte. Il réussit à sortir de la galère à quatre cils en élevant des pigeons et en apprenant la boxe avec Cus D'Amato. Si Mike Tyson n'a jamais été un titan comme Joe Louis, Cassius Clay ou Rocky Marciano, il a néanmoins réussi à faire partie des boxeurs les plus célèbres. Pendant quelque temps, il se fait une réputation de terreur, mais reste dans les esprits celui par qui le scandale arrive. Ses surnoms ont scandé sa carrière. Le pompeux Mike Dynamite est devenu Iron Mike, Mike de fer. King Kong est pour finir le cannibale pour avoir arraché un morceau d'oreille à Holyfield, geste qui choque l'Amérique et le monde entier. Le 4 novembre 1985, D'Amato, l'entraîneur qui avait l'œil sur tout, meurt. Pour Tyson, il était comme un père. Il lui avait tout enseigné de la boxe. Le 22 novembre 1986, a lieu sa rencontre contre Trevor Berbick pour le titre des lourds WBC, World Boxing Council. Tyson a 20 ans et est sur le point de devenir champion du monde des poids lourds. Novembre 1986, Las Vegas.
En l'espace de seulement deux rounds, Tyson envoie Berbick au tapis. Mr. Tyson. La boxe peut le couvrir d'or, mais sa vie se referme sur lui comme un piège. Tout s'embrouille. Le rythme vertigineux des matchs, les gains, les crimes. Don King, l'affairiste, qui a fait de la prison, a un œil sur le boxeur et sur son compte en banque. Les femmes feront le reste. En 10 mois, il remporte toutes les victoires poids lourds. En 3 ans, de 1987 à 1989, il envoie 7 adversaires au tapis, n'en laissant que 2 debout. Il combat souvent pour ne pas se rouiller. Tyson semble imbattable, mais a une vie impossible. Il rencontre Robin Givens, une actrice de télévision, de 23 ans, qui, épaulée par sa mère, cherche un pigeon à plumer. Elle se fait épouser, prétendant qu'elle est enceinte, mais ce n'est pas vrai. L'image de Tyson, habilement manipulée par un groupe d'affairistes, devient un extraordinaire instrument publicitaire. Tyson's Punch-Out from Nintendo. Now you're playing with power. Now we'll see who's the champion. And who's the chump. 27 juin 1988, Atlantic City. Robin Givens raconte à la télévision que la vie avec Mike est un enfer. Dans un hôtel de Moscou, il provoque un scandale. Elle prétend qu'il a tenté de la tuer. Lui va se fracasser en voiture contre un arbre. Il divorce après 8 mois et Robin obtient une compensation de 125 millions de dollars. Tyson se fourre dans des combines. Il se retrouve avec des tas de plaintes et de dommages-intérêts sur le dos. Il cogne et détruit tout ce qui lui fait obstacle, y compris les caméras de la télévision. Des femmes l'accusent de viol ou exigent qu'il reconnaisse leur enfant. Quand il a une femme devant lui, il ne sait pas se retenir. Il finira mal aussi sur le ring. À Tokyo, Buster Douglas, une armoire à glace, parvient à se remettre sur pied au 8e round après un long compte. Mais à la 10e reprise, Tyson se prend un gauche qui par le passé l'aurait chatouillé. Mais cette fois, il se retrouve par terre, sonné. Got a little loose.
loosey-goosey. Douglas coming back with a lefty right. Douglas wailing away. Without the rope. Le 11 février 1990, Douglas est champion du monde. C'en est fini pour Mike. Le 10 février 1992, Tyson est condamné pour viol à 6 ans de prison ferme. Le juge est une femme. Il obtiendra une remise de peine. L'homme a changé. Il a étudié le droit et s'est converti à l'islam. Clay, le magnifique, ne renoncera jamais à ses idéaux, même si aujourd'hui il n'est plus que l'ombre de son nom. Marciano touchera un peu à tout. Au cinéma, il jouera aux côtés de Bob Hope et Jerry Lewis. Mais ce n'est pas son truc. Joe Louis finira sa vie comme portier à Las Vegas à l'ombre de ceux qui accumulent des fortunes aussi vite qu'il a dilapidé la sienne. Max Baer, incapable de sérieux et de préparer avec la détermination nécessaire la majeure partie de ses combats, finira sa carrière parmi les boxeurs de seconde catégorie. Carnera quittera les États-Unis quand il sentira la mort approcher. Diabète et cirrhose ont fait du géant une épave. Max Schmeling, devenu président de la filiale de Coca-Cola en Allemagne, jouira d'une vie luxueuse et dorée. Tunney, inspiré par George Bernard Shaw et Dempsey, l'homme au point d'or, sont les deux faces d'ombre et de lumière d'une même médaille faite de drames, de folie et d'amour, d'histoires de poings et de vies.